Une manifestation étudiante a débuté tout ce matin dans un collège privé de la Rive-Sud. Les élèves du collège d'Urgissé-Lambert ont pris l'école en otage. Les porte-parole étudiants nous ont expliqué leurs revendications. Le gouvernement Girard nous impose est inacceptable. Ouais! Ils devraient être prêts à négocier. Ouais! Le droit de se coucher dehors. Ouais! S'asseoir dans les casiers. Ouais! Et rouler ses pantalons. Ouais! Nous autres, on est contre la hausse de la prix de la cafétéria. On combat la hausse. Hein? Et moi, je veux une période élite. Ouais! Une récréation au nom de la social-démocratie. Ouais! Ouais! Les surveillants ont essayé de contenir les manifestants, mais le tout a malheureusement dégénéré. L'ordre est finalement revenu avec l'arrivée de l'imposant directeur, François Boyer. Ici François Boyer, directeur du pavillon. C'était Mathilde Monterosso à Saint-Lambert.